Nous voilà de retour sur l'île des États, fini les Falklands. On est retourné donc là en Argentine, même si les Argentins décrètent que les Falklands c'est à eux. Pour le reste du monde quand même, les Falklands c'est britannique, enfin, sous protectorat britannique en tout cas. Donc nous revoilà à l'île des États, bah, ça fait du bien de revoir des arbres, parce que les Falklands, des arbres, il n'y en a pas, à part ceux qui ont été plantés juste à côté des maisons des colons, des arbres, il n'y en a pas, et puis là, bah, des arbres, il y en a plein, voilà. Et bon, on est sur le chemin de retour jusqu'à Navarino, jusqu'à Puerto Williams. On va peut-être passer un ou deux jours ici quand même. Et histoire toujours pareil, hein, des conditions météo. Et puis voilà, et donc on a mis environ 40 heures de navigation pour venir des Falklands. Il y a 300 000, je crois. Non, 200 000. Ouais, je ne me rappelle plus. 200 000, je crois. Ouais. Un peu plus de 200 000. Et ben voilà. On est parti de la civilisation falklandaise. Et là, ce qu'on voit sur la petite montagne ici, c'est justement le phare qui avait été construit par les premiers prisonniers ici, la première occupation par les Argentins. Nous voilà au phare du bout du monde, le phare de San Juan de Salvamento. Alors, si cet édifice vous dit un petit peu quelque chose, eh ben, si vous êtes allé à La Rochelle, il y a une copie qui a été faite au port des Minimes, à l'initiative en tout cas du français qui était au début de la restauration de ce phare. Je ne sais plus comment il s'appelait, je vous laisse le chercher, je crois que son petit nom c'était Yul, enfin son surnom. Et donc là, voilà le phare du bout du monde. Donc une copie au phare des Minimes, une copie aussi à Ushuaia. Voilà, phare de San Juan de Salvamento. Donc ça a été fabriqué en 1884 par la division expéditionnaire de l'Atlantique Sud. Enfin, donc en fait c'était la prison, c'est les prisonniers qu'on construit ça. Reconstruit en 1998. Et puis, si le phare du bout du monde, ça vous dit quelque chose au niveau des lectures, c'est Jules Verne. Et voilà, Jules Verne, il s'est inspiré de cet endroit. Dans ses écrits, il dit, construit à l'île des États avec machin, tout ça, les fondations, etc. Des petites plaques commémoratives. Et puis, la porte avec une moule. On veut que mon petit continue. Allez, on va rentrer là-dedans. Bon, une fois dedans, c'est super bien tenu. Il y a des. En cas de. Enfin, pour des personnes qui seraient naufragées, il y a de la bouffe et de l'équipement médical. Le phare du bout du monde. Remarquez, c'est marqué en français. C'est mignonné ça quand même. Petite bouteille vide. On pourrait laisser des bouteilles pleines quand même. Une partie du plan. Un plan original, je sais pas. Encore. Ouais, ça doit être les plans originaux de ça. On voit la structure en octogone. Une photo à l'origine ou quasiment, puisque ça c'est une photo qui a été prise en 1897, c'est marqué. Donc ça c'était le phare original et là on est dans la copie.
Donc voilà, si jamais vous êtes naufragé à la pointe est de l'île des États, eh ben vous pouvez venir vous réfugier un petit peu à l'intérieur de ce phare de bout du monde. Bon, il n'y a pas de chauffage, hein, a priori, il n'y a rien pour se chauffer, mais ben au moins vous seriez au sec. Bon, évidemment, il y en a qui font des graffitis sur les poutres. Pourtant, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui passe là. Bon, des graffitis, il n'y en a pas des masses. Mais il y en a quand même quelques-uns. Voilà. C'est comme ça. On a ici quelques planches qui sont les restes du phare original. Donc, comme je vous disais, construit en 1884. Abandonné au début 20e, donc 1902, je crois, ou quelque chose comme ça, au profit d'un autre phare. On a une plaque ici qui date de octobre 14. Alors, par contre, c'est quoi? C'est 2014, 1914. On a trouvé aussi sur le chemin des points comme celui que je vous ai fait voir, donc dans la baie qui est juste à côté où on avait donc où avait été transféré la prison dans Port Cook. On avait trouvé ça aussi, des points géographiques. Le sentier a été super bien tracé ici, comme s'il y avait besoin de faire un beau sentier pour tous les gens qui passent, tous les gens de 5 par an peut-être. Non, je sais pas, il y a un petit bouquin à l'intérieur du phare, et puis il y a surtout apparemment des navires militaires qui passent là-bas de temps en temps. Faut pas oublier qu'ici, ça appartient à l'Argentine, une île où il n'y a pas de présence civile, juste des militaires qui sont un petit peu plus à l'ouest là-bas dans une baie, et des chèvres et des cerfs. Voilà, mais beau sentier bien tenu. Ils ont même fait des petites passerelles à certains endroits. Plateforme pour un point de vue, elle n'est pas toute jeune celle-là, hein, la plateforme. Voilà la vue qu'on a. C'est bien beautiful, hein? Oh, un point du service hydrographique. Voilà, comme l'autre. Bon, ben voilà. On quitte l'île des États. Donc on va retourner chez nous, donc enfin sur l'île Navarino à Puerto Williams. On en a pour environ 24 heures de navigation. Donc là on part, il est la mi-journée. On va naviguer cet après-midi et puis toute de nuit. Et puis on devrait arriver donc là-bas sur Navarino en fin de matinée. Les conditions météo sont assez bonnes. Ben voilà, c'est la fin des petites vacances, quoi. Bon, on va retrouver la civilisation, parce que là, l'île des États, c'est vrai que c'est un peu, il n'y a personne, quoi. Bon, ben, ça y est, nous voilà de retour sur Navarino, de retour à Puerto Williams. Après 52, 53 jours, je crois, pour notre petit voyage. Ça fait bizarre de revenir un petit peu à la maison. Aujourd'hui, c'est tout couvert. Voilà. On avait de la pluie ce matin. Enfin, on a pleu, de la pluie quand on est arrivé. Mais voilà quoi. Bon. On a. Après une navigation comme ça, toujours on a le bateau à nettoyer, hein. Parce que même si on maintient toujours au fur et à mesure un endroit qui est propre, hein, quand même,
On a toujours tout un tas de trucs à ranger, puis on était quand même quatre à bord à chaque fois. Donc tout ça, ça fait du petit bazar. Donc nos amis suisses sont déjà repartis là chez eux. Là, je suis tout seul avec le capitaine. Et puis je vais finir quelques petites bricoles. Et puis moi, bah, ça va être de retour à la cabane.